et bienvenue dans cette nouvelle émission de Mourock TV. Sans attendre, voici le sommaire. La vallée abrite de nombreux torrents et ruisseaux qui se jettent souvent en cascade sur les pentes des montagnes. Nous avons été admirer l'une d'elles, la cascade du Dard. Un reportage de Prune et Mathilde. Magnifique! Le pot, il était grave haut, long, long, ouais, long. Et haut. On marche. Même qui bougeait parce qu'il y en a qui sautaient. Ouais. L'arrivée. On peut voir le beau paysage. Hein. Ah, coucou! Oh, elle saute! C'est super! Comme dans un trampoline. On dirait un troupeau d'animaux. C'est clair. Le dabeur. La belle cascade avec ses belles fleurs roses sur un zoo. Le tournage. On était super stressés. Ouais. Le beau paysage avec toujours tout le monde. Waouh, le beau petit pont. Avec la cascade. Très haute. Allez, petite photo. Sur la petite photo que fait Maxence sur Étienne. Avec la cascade. Belle cascade avec des gens, une dame, des fleurs, des chiens. Et son fils. Magnifique. Allez, on monte. Oh, c'est dur. Waouh. Petit panorama. Même si c'est la tête d'un bouillon. La cascade. La cascade. On était trempés. Ouais. Super fort. Ça va. On n'était pas tellement trempés, on était quand même là. Humidifiés. Sacha, super. Waouh. Gros plan sur la tête de... Ah, qu'est-ce qu'il y a dans le la cascade. Encore une fois. Gros plan sur la tête d'Emma. Maintenant, on attend. Le rocher. Chloé. Qui prend la photo. À peu près tout le monde sauf photo Camille. Le tournage. Un autre tournage. Le beau paysage. Avec le beau ciel bleu, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a des nuages. Et le ciel était quand même le goûter. Ouais. Le goûter. Tout le monde mangeait. C'est super. Tout le monde mangeait, même. Revenons. Tout le monde. Même un garçon se lâche les doigts. Waouh, wow, c'était wow. Délicieux les doigts. Le deuxième animateur de la colo s'appelle Étienne. Il est interviewé par Eva, Charlotte et Apolline. Salut. Salut. Dites-moi. Excuse-nous de te déranger pendant ton jour de congé. Ouais. Est-ce que tu aurais 2 minutes pour répondre à quelques questions? Ouais, pas de soucis, ouais. On se pose ici? Ouais, ouais. Allez. Alors, comment t'appelles-tu? Alors, moi, je m'appelle Étienne Cuisine. Où vis-tu? Alors, je vis à Lyon pour mes études et ma famille habite à la campagne autour de Lyon. Je rentre assez souvent chez eux, du coup, j'estime que je vis chez eux un petit peu. D'accord. Encore. Du coup, es-tu étudiant? Ouais, je suis étudiant en STAPS. Tu fais quoi comme étude? En STAPS, du coup, à Lyon, c'est une fac de sport, en fait. Et moi, personnellement, je voudrais être prof de PS plus tard. Quelles sont tes passions dans la vie? Mes passions dans la vie? Alors, donc le sport déjà, d'où mon futur métier ou ce que j'aimerais en faire. J'aime beaucoup la randonnée aussi en montagne. Donc par ici, c'est cool, je suis content de venir ici. Et aussi les amis et voyager, comme beaucoup de personnes. Voilà. Pourquoi fais-tu des colos? Alors, je fais des colos parce que tout d'abord, quand j'étais gamin, j'en ai fait énormément. Et que c'était des aventures qui me plaisaient beaucoup. Du coup,
Du coup, j'ai voulu le faire en tant qu'animateur dans un autre rôle et pouvoir continuer à en faire du coup, parce qu'à 17 ans, on ne peut plus en faire. Quelle serait ta destination de rêve ? Ma destination de rêve, ce serait le Népal, pour pouvoir randonner et faire des grandes randos dans la chaîne de l'Himalaya. Et parce que j'ai aussi vu beaucoup de photos des villes au Népal et elles ont l'air assez incroyables. Quel est ton meilleur souvenir dans ta vie ? Mon meilleur souvenir ? Alors quand ça devait être, enfin c'est un peu difficile à dire, un meilleur souvenir. Je peux vous en donner un qui m'a marqué, c'est que à mes 18 ans, donc on a fait une fête de famille pour mes 18 ans. Et je suis pas forcément quelqu'un qui aime trop ce genre de regroupement. Mais là vraiment ça a été quelque chose d'assez énorme. J'ai tous mes cousins qui sont venus. Et on a énormément rigolé surtout et fait des choses assez drôles. J'ai fini tout nu dans une piscine. Ça se raconte pas tellement. Bref. Okay. En tant que futur prof de sport, short ou survêtement ? Short. Que des shorts. J'aime pas les survêtements, je me sens un peu moins libre, on va dire. Plus agréable les shorts. Si tu étais un organe, tu serais lequel ? Si j'étais un organe, je serais le cœur parce que j'aime me battre. Non, je rigole. Non, honnêtement, c'est une question très drôle, mais j'ai pas de réponse à cette question. Merci. Bon, bah merci. Il n'y a pas de souci, les filles. Allez. Salut. 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 Pauline, merci d'avoir regardé cette émission et je vous donne rendez-vous demain. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à Mon Rock TV. À bientôt. Coupez.